Dans notre culture, ce n'est pas dans nos us et coutumes. Quand, chez nous, le Bantou, quand quelqu'un décède, même si c'est un voleur, on s'organise pour lui réserver les obsèques d'une personne vivante. Et ce que le gouvernement de Kabila a fait avec Rossi, c'est révoltant. C'est malheureux. Mais il paiera un jour. Parce que nous nous battons pour l'alternance. Et nous ne lâcherons pas. Rossi dit, ça va crier. Là, j'entends, il dit, le peuple gagne toujours. Je l'entends dire ça. Ce n'est pas le passé, c'est le présent. Le peuple gagne toujours. Et voilà, ils ont gardé le corps. Après, ils l'ont libéré. Vous n'avez pas tiré le sang par rapport à la mort de Rossi? Ça ne vous a pas quand même enseigné quelque chose? Oui, la mort de Rossi nous a enseigné qu'évidemment, nous qui sommes restés vivants avec nos gros ventres, avec nos gros bras, nous sommes des lâches. Et qu'il faut se préparer pour mourir pour ce pays, pour cette patrie. Kindal est prêt pour mourir. Je suis prêt, même maintenant, je peux mourir pour le Congo. Et moi, si je meurs, n'amenez pas mon corps à la morgue. Amen. Vous les brûlez, vous prenez les cendres, vous jetez dans le fleuve Congo. Amen. Ça, vous m'aurez honoré. Mes parents suivent, mes enfants suivent. Je décède dans ce combat ici. Prenez les corps, brûlez-les. Vous avez tapiné naissance, vous tombez en haut. Vous avez besoin de poussière, vous avez besoin de fleuve Congo. Oh, bah, salut aussi, il faut faire sa bisson maël. Il faut être la bisson. Tu es qu'on est la recité. Tu es qu'on est la recité. Tu es qu'on célèbre aussi comme étant notre héros. Maintenant, notre salaire est là, ici, là. On ne va pas distrait. On ne fait pas le deuil, on a déjà fait le deuil. On ne fait pas le deuil, on vient honorer un héros. Plus que Moussa Kabila, Rossi, il s'est battu pour ce pays main nue. Attention, attention. Même avec une balle logée dans son rein, il n'a pas lâché. Il a dit, vous pleurez pourquoi? Un grand prophète de la dimension de Fumukimbang. Justice, et ça justice, il y a Kabila. Bon, tout le monde a question de éviter pour la nini. Hein? Bon, quand ça va être infraction à droit qu'on met au nini. Non, non, non. On va quand même dire que justice, et ça, c'est la moussala pour la Kabila. Tout le monde a constitution, le Kabila, c'est sous-président. Tout le président, c'est Sikaltéan, c'est Salément. Tout le monde a la justice. Bah établir bah fait mutabete il m'assassine non mutabete c'est qui ordre non mutoza là qui joue roi nation akopako kangamba osamba. Nous allons restituer les valeurs républicaines de la justice en Burkina Faso. Mais pourquoi bosser l'élection en Kimia déjà? Tu as salé mon boulot? Toi tu au moins tu misais mes lobbies. Tu l'as tu es au moins mon boulot est salé. Ok mais ça c'est bête ami. Parce que tu es Kimia bolingi. Toi bateau 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 on n'a pas conception pas conception de manière de Kimia. Quand vous avez déjà terminé votre mandat et que le peuple dit « Oh long moi, bah, tu ne veux pas », c'est qui les bandits? Mais l'accord est là, Jacques. Quel accord? L'accord, son existence, c'est 12 mois, point barre. Et l'accord dit que c'est Félix qui doit être premier ministre. Félix a dit « Niet », parce que Christian Yvon a été. Alors, quand il y a président, pas Jérémy Mboka, il y a premier ministre, c'est tel Congo li panda. Oh, Congo li panda. Azeli kanisi ya malamu pona kosepelisa banamboka Congo. Congo lipanda. Azeli libango. Congo lipanda. Peninga. Pona kuyeba histoire ya Congo. Landa.
des avocats défenseurs des droits de l'homme de la République démocratique du Congo décerne le diplôme d'excellence et de mérite conçu en termes que voici. Nous, membres du collectif des avocats défenseurs des droits humains de la République démocratique du Congo, décernons à titre posthume à M. Rossi Mukendi Timana, défenseur des droits humains, membre du mouvement citoyen collectif 2016, cette reconnaissance des hautes portées historiques et morales pour s'être distingué dans son combat pour un état de droit et l'instauration de la démocratie en République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 19 mai 2018, diplôme que nous remettons à son fils. Merci beaucoup. Moi qui se tiens au devant de la cercueil de Maître Rossi
Mukendi. Je représente la Fédération Congolaise de Justice en tant que président fédéral. Accompagné de tous les pratiquants que vous voyez, y compris son maître qui lui a formé et qui se nomme au nom de Maître Bibe Kalanga, qui est à côté de moi à droite. Maître Rossi Mukendi a commencé à pratiquer le sport de Jiu-Jitsu depuis 2000. Et son parcours qu'il a fait, il a obtenu le ceinture noire Shodan Nidan. Aujourd'hui, par titre posthume, on le décore comme ceinture noire Sandan. Et je vais un peu développer pour que les autres puissent comprendre. Shodan, c'est-à-dire que premier dan. Nidan, c'est deuxième dan. Sandan, c'est troisième dan. On veut le décorer. Maître Rossi Chimanga, aujourd'hui, on l'appelle champion d'Afrique. C'est moi qui étais accompagné Maître Rossi Chimanga quand nous sommes partis au Cameroun pour aller participer à un championnat d'Afrique et que Maître Rossi Chimanga avait reçu deux médailles d'or parce que notre style de combat se compose de fighting system et ensuite dio system. Et Maître Rossi a eu le médaille d'or en fighting system et en dio system en médaille d'or. Qui alors, quand nous sommes rentrés, nous étions reçus par le feu ministre Banza Mukalai. Je pense bien que c'est connu de tout le monde. Ceux qui sont des journalistes, ils en savent très très bien. Alors, dans ce cas, nous déposons le diplôme que nous appelons la famille biologique. Soit son enfant qui peut venir prendre ce diplôme, papa, ou soit son frère, ou son père. Et nous, le décorons cette ceinture qu'il portait avant. Nous le mettons d'abord ici, sur le cercueil, et ensuite nous le relevons pour le remettre à son père. Je demande à la famille biologique qu'il soit en paix. La Bible dit que tout concourt à ce qu'il aime Dieu. Nous remercions au Seigneur de tout ce qui devrait arriver. Et je demande aussi à la famille sportive que nous pouvions être avec un esprit apaisé, afin que maintenant aussi qu'il soit enterré dans la bonté et dans la sérénité. Je vous remercie. Merci.
maboko, maboko, maboko. Nous, activistes congolais de toute tendance, sommes reconnaissants à Dieu qui fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour venir, il y a un temps pour partir, il y a un temps pour s'asseoir et il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Notre cher camarade l'avait bien compris. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il en est la preuve la plus irréfutable. Cet homme aux valeurs patriotiques, les dignes fils du Congo, le père de famille, l'assistant d'université, le champion d'Afrique, n'avait pas choisi l'activiste comme un métier, mais plutôt comme un idéal. L'idéal de voir un Congo prospère, l'idéal de voir un Congo en paix, l'idéal de voir un Congo de justice et d'égalité de chance. L'idéal de voir un Congo vivre sa toute première alternance démocratique. L'idéal de léguer aux générations futures un Congo-État où le peuple gagne toujours. Camarade Rossi, nous activistes, tes compagnons de lutte, nous t'élevons au rang des héros nationaux pour ta qualité de vie en tant qu'humain. Chers camarades Rossi, nous activistes, tes compagnons de lutte, nous t'élevons au rang de héros national par ta qualité de vie. En tant qu'humain, mais aussi par la qualité de service rendu à la nation, nous te proclamons martyr de la liberté. Car tu as coloré le sol congolais, rouge de ton sang, pourvu que nos enfants ne vivent esclaves dans leur propre pays. Ton départ est un départ pour beaucoup. Rossi, nous te promettons que ta lutte ne sera pas vaine. Nous te promettons de nous battre jusqu'à nos derniers souffles pour voir enfin ce Congo prospère, ce Congo en paix, ce Congo où rejoint la justice et l'égalité de chance, ce Congo pour lequel, même au prix du sacrifice suprême, nous obtiendrons l'alternance politique sans le médiocre. Mesdames et messieurs, membres de la société civile, chers frères et sœurs en vos titres et qualités respectives, chers compagnons de lutte, en ce lieu sacré, nous activistes congolais, nous décrétons solennellement la date du 25 février, journée de la lutte citoyenne congolaise. Que ton âme repose en paix. Le peuple gagne toujours. Merci, maboko pour la activiste, maboko pour la activiste. Podium. Très chers frères, sœurs et amis, mesdames et messieurs,
Il n'y a pas de doute possible que c'est un événement très triste qui nous rassemble ici aujourd'hui. Les obsèques de Rossi Mukendi que nous organisons après son assassinat le 25 février 2018 ici à Kinshasa par la police. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné et ils ont poussé le cynisme à son comble en séquestrant son corps pendant près de 3 mois sans considérer la souffrance de ses proches parents et le droit pour eux de l'enterrer dignement. C'est une torture morale inacceptable. Si dans ces paradoxes, l'histoire porte parfois les habits de tristesse, elle s'organise aussi en même temps de révéler des erreurs ou des étoiles qui s'y cachent en suscitant l'admiration de tous et inspirant d'autres par la qualité et le courage des hommes qui la font. C'est pourquoi nous sommes également ici pour célébrer la mémoire de notre héros national, Rossi Mukendi. Mesdames et messieurs, senti par ses proches parents, ses amis fidèles, ses compagnons du collectif 2016, ses sportifs, ses amis sportifs, et plus particulièrement sa femme et ses 2 enfants. La mort de Rossi est une énorme perte et le vide qu'il laisse et laissera n'est pas prêt d'être comblé. J'ai saisi cette occasion pour exprimer publiquement mon respect pour la famille de Rossi et lui présenter une fois de plus mes condoléances les plus sincères. Je voudrais la rassurer aussi que la République libre de demain, à laquelle nous aspirons tous, lui sera toujours reconnaissante et que la République libre lui sera toujours reconnaissante et que les commanditaires et les exécutants de ces crimes odieux répondront de leurs actes devant les tribunaux. Les exécutants de ces crimes odieux répondront de leurs actes devant les tribunaux. Je vous remercie d'applaudir très fort les parents de Rossi, la veuve ainsi que ses enfants. Que Dieu Tout-Puissant les garde. À tous les jeunes des mouvements citoyens, tous les avocats, les activistes des défenses des droits de l'homme, les sportifs, et les personnes de bonne volonté qui se sont déployées pour arracher les corps des Rossi, des griffes, des bourreaux. Vous tous, la presse, vous méritez aussi mon respect pour votre détermination et votre courage. À n'en point douter, la victoire de notre peuple passera par là. Je suis tellement convaincu que je vous recommande la brochure intitulé « Pensée, idéologie, conviction de Rossi », publié par Mireille Chimanga et Jospin Balanga. En vente ici même, au lieu du deuil, elle regorge des merveilleux trésors. Rossi éclairait les êtres qui avaient l'opportunité de le côtoyer et sa vie est un exemple de compétence, de patriotisme, d'intégrité et d'amour. Il reste un modèle. Ce qui me met en confiance s'agissant de la prise de conscience de la jeunesse de mon pays et à son sens de responsabilité qui la met à l'abri de la médiocrité. Car Rossi a porté à son environnement non seulement la lumière du scientifique rigoureux, mais aussi la discipline et le courage du sportif. Comme disait Cicéron, ce sont surtout les belles actions accomplies par le courage, sans espoir de récompense, que nous célébrons ces jours. Et cette vertu, cet esprit supérieur, appelle reconnaissance de notre part. Ainsi, lorsque Rossi affirme, je cite,
le peuple gagne toujours. Ce n'est pas un slogan, chers amis, ce n'est pas un slogan. L'affirmation de Rossi révèle son approche de la problématique congolaise et elle nous éclaire en même temps. Le verbe « gagner » que Rossi utilise ici veut simplement dire qu'il a compris que nous sommes oppressés et que nous ne sortirons vainqueurs de ces combats que par la foi, le courage et la détermination. La bonne nouvelle cependant est qu'en définitive, le peuple gagne toujours. Aucune dictature n'a jamais résisté à la détermination de tout un peuple. Voilà pourquoi la pensée doit nourrir l'action et Rossi le dit. Je le cite, le destin d'un peuple se décide en un jour. Je ne veux pas être seulement homme de pensée, je vais agir aussi. Fin de citation. Car Rossi a compris et il a dit, je cite encore, j'ai compris une chose, la patrie c'est la terre de mes ancêtres, qui viole la constitution, crache sur la tombe de mes ancêtres. Fin de citation. Si nous adhérons tous à cette pensée de Rossi, il nous sera facile de nous débarrasser de la dictature. Rossi y croyait. Et sa mort est une invitation à une prise de conscience collective. Le combat doit se poursuivre jusqu'à la victoire finale. Maintenant qu'il a fait son chemin et accompli sa destinée, nous lui disons, va en paix, héros. Nous ne t'oublierons jamais. Et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Merci et que Dieu vous bénisse. Avance, nous pouvons quand même l'applaudir. Je cite notamment Thérèse Kapangala. Tous ceux qui sont tombés sous le champ d'honneur pour le combat pour la liberté sont nos héros. Et la nation, la patrie, tous les combattants de la liberté ne peuvent les oublier. Mais puisque les héros ne meurent jamais, puisqu'ils sont morts pour quelque chose, une des profondes leçons que nous retenons de Rossi, c'est d'avoir dit justement que nous acceptons le sacrifice suprême parce que nous refusons que notre progéniture puisse continuer à vivre en situation d'esclavage. Et parce que les leurs aussi à l'Ali, que Bisso Bayetoti Kali Tozali Bibemberotel et Maté, na komo naye, toko continue combat naye, ten asuka, ba libere mboka oyo. Oya kani cette dictature kokota, pour abandi kouboma ba congolais. Tokoti kelaye ta ata mokete pour dictature et kotarambo kao. Makila ya Rossi. Makila ya Rossi. Ya Thérèse Kapangala. Nabaye ban soba ko wapo na liberté na indépendance na biso. Et ko continue te bango dictature na bango. Balongwa na pouvoir. Kimiazon ananboka. Liberté. Bon monde mémoire naïe, tout qu'on respecte yango. Lelo et tumba o reçu à Koufeli, à Ibi et loko ya motote, à Bomi motote, à Telemaki loko la biso basso, loko la bilingue nyonso ya Congo, pour na kosen la liberté. Na biso ba et totikali na mokumba mounene. Totikali ne tumba munene et tumba wana toko continue yango tena suka. Peto pesi merci na bilenge nyonso. Tolobi na bango lokola Rossi azalinde héros national oyo biso nyonso toko honoré. Na pesi bino merci. Général Kuna. Hein?
Mana Bafleur Nyonso, Bafleur Ekopé Samakuna. Le secrétaire général de l'UDPS va prendre la parole là-bas. Bien, j'espère que Tolandi Jakinda la moana mboka lobi par rapport à détermination ya ba jeune abi awa tu ko la recité tu ende ko célébrer aussi. Parce que matanga rosi c'est cela qui cala tolandi et toyoki et bien j'espère que tu comme nasuka par rapport il y a célébration héros nabiso rosi mukendi chimanga toy kolelaye awate mais toyoko célébrer parce que cornaye et vandagi pendant 3 mois la carte place à malili a toyoko célébrer héros national nous avons na sanef le loto komi na Notre-Dame par rapport à Metz donc la lutte continue par rapport à Bissot Bagène. Le peuple gagne toujours. Maloba héros national à Tikeli Bissot. Il y a un monde et la détermination par rapport à l'île de Bissot Bagène. Tout aux élections en République démocratique du Congo, le loto est célébré aussi Moukendi. Donc, numéro 1 à Bissot en Wana, ma fingi à Ouézala qui était le laïe na Kimia par rapport à combat naïe et tant que jeune. Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Azeli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Kongo. Kongo lipanda, asali libango. Kongo lipanda, kaninga pona kuyeba historia ya Kongo landa.